a traversé des turbulences depuis 2 ans. D'abord à l'automne 2012, lorsqu'il y a eu la rivalité à la présidence de l'UMP, et puis ensuite, avec ce qui s'est passé au printemps dernier, le bureau politique a décidé de redonner la parole aux militants. Il y aura un grand congrès le 29 novembre. C'est une bonne chose que les militants prennent la parole, s'expriment. Et moi, mon rôle, ma mission de secrétaire général, c'est d'organiser une élection apaisée, où chacun puisse s'exprimer, et où nos militants puissent choisir, et que ça se fasse dans la tolérance, dans le respect, et de manière tout à fait inattaquable. Donc là, on peut difficilement faire mieux comme cadre. Je suis impressionné. Impressionné. Moi, je viens en ami, ici à la Gaule, et je viens à la rencontre des militants, de la secrétaire départementale et de toutes les équipes qui travaillent au quotidien. Voilà. Dans une fédération qui n'est pas facile, parce que nous sommes dans un territoire en reconquête, quand on regarde la Loire-Atlantique aujourd'hui. Donc c'est aussi mon rôle d'être à leur côté. Voilà, je crois qu'il ne faut pas surinterpréter. Quant à Nicolas Sarkozy, écoutez, laissez-le d'abord en vacances, puis ensuite il s'exprimera. Ça ne devrait pas trop tarder, donc on devrait être rapidement fixé sur son avenir. Voilà. On va essayer de ne pas s'enfoncer dans les sables mouvants.